Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Pas dépasser la ligne. Il y a deux hommes, deux Lillois qui se sont mis là côté gauche du mur. Ça voudrait dire que c'est Yılmaz qui va frapper. C'est parti, Yılmaz, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Ouais, il s'en veut le Turc. La main de Mendy. Jonathan David remet ça dans le paquet. Il y a un homme au sol, on réclame une faute de main et finalement c'est dégagé. Alors là, il y a une intervention du VAR qui contrôle la faute de main. Voilà, il se tourne et il m'indique le point de pénalty. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Alors derrière le ballon, il y a un homme de 35 ans. Hein. Face à Mendy, l'expérience, face à l'expérience aussi du gardien sénégalais. Alors Yılmaz ou Mendy, c'est parti. Et c'est dans le plafond du but. Ouverture du score par Bourer qui Yılmaz. Et ça, ça va faire évidemment beaucoup de bien à Lille. Et regardez comme le stade explose ici. Monsieur Massa aussi dans le rectangle. Et le public lillois qui retient son souffle. La frappe, elle est partie contrée par David qui concède le coup de coin. Jorginho qui redemande à nouveau et puis qui tente une passe, elle est bonne. Le but, ouais, voilà le but de Pulisic. Ah, la passe qui tue complètement cette équipe de Lille. La passe de Jorginho. Jorginho. Joliment fait Gudmundsson, là, le déhanchement. Çelik, Bamba, Morti, André retourne vers la droite et vers Bamba. Tenté de déborder. Bamba, ouais, joli pour se défaire d'Alonso. Le centre, Yılmaz. Ouh, ça passe juste à côté. C'était une belle action avec Bamba à la base. Et avec Onana qui récupère. Et qui va chercher Diallo. Ouais, joli avec le relais Bamba qui peut aller chercher Yılmaz. Yılmaz tente de passer et obtient le corner face à Rüdiger. C'est joué rapidement avec Bamba. De nouveau Yılmaz, le centre. David tout seul. Oh, le poteau! Le poteau pour Cheka. Malheureusement, il est là au petit rectangle, le portugais, et ça prend le poteau. Ouais, un tournant sans doute dans cette deuxième mi-temps déjà, parce qu'il est superbe ce ballon de Yılmaz, ce corner qui a été joué rapidement, et les joueurs de Chelsea qui sont à l'arrêt, qui sont passifs. Chaloba en retrait. Deux joueurs qui vont monter, Romelu et Loftus-Cheek. Attention à ce ballon avec Mount, le centre de Mount, deuxième poteau et le but de Azpilicueta qui est là dans le dos de Wea, ouais, qui n'a pas l'habitude de défendre. Hein. Wea, c'est un joueur offensif et il est surpris par Azpilicueta. C'est le coup de massue pour Lille. Wea qui oublie Azpilicueta, qui surgit de la deuxième zone, il est jamais aussi dangereux quand il vient comme ça de loin. La désorganisation là sur le côté là, avec le 2 contre 1. On laisse faire. On laisse, c'est comme vous dites, hein, force entrée là. Et puis Wea est avec, mais c'est trop tard. Il court vers son but. Ouais, il faut insister sur la qualité du centre aussi, hein, de Mount. Ouais, c'est avec le genou. Avec le genou, c'est on va dire dans la détermination. Attention Lukaku. Lukaku, il est passé, il tombe.
et il obtient la faute. Il obtient la faute, Romelu. Juste à l'entrée du rectangle. Alors, qui pour donner cela, c'est Alonso au-dessus. Et Jardim était presque surpris. Mais voilà, on n'ira pas plus loin. Donc, victoire de Chelsea, qualification des Anglais. Romelu Lukaku et Onana ont joué. Ça, c'est le point positif pour nous, Belges. Ce résumé vous a été présenté par takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League.